Cocumbo. Cocumbo. Pardon, ne saute pas. Pas au gantou. Pas ta autant pour rien à son gré, ce gars. Maintenant, il parle l'anglais. C'est quoi? Tu parles, Cocumbo. L'amour du prochain n'est pas tout ou dans cette république. Ça veut dire quoi? Où est passé l'amour du prochain? C'est encore quelle histoire, ça? Waouh! Jusqu'à détourner même l'argent d'une femme qui a accouché et un don a mis le sol. Quoi? Jusqu'à détourner l'argent d'une femme qui a accouché et un don a mis le sol. Attends. Tu comprends bien. Une femme accouchée. Oui. Maintenant, il y a quel problème? Qui a détourné son argent? Ouais, maman. Elle a détourné son compte bancaire. Votre truc de mariage là. Mm-hmm. Les gens là profitent des occasions pour salir les acteurs, pour salir les artistes au monde. Maman, je vois pas. Dieu merci que un homme averti, quand il donne quelque chose quelque part, hein, mm-hmm, il justifie. Au monde, je voulais. Maman, je vois pas. Voilà une femme. Elle accouche. Au moins, je voulais. Même je ne vois pas. Mais que je sois avec le cœur d'une mère. Au moins, je sais que je sois. Mm-hmm. Tu connais que je sois. Mm-hmm. Avec le cœur d'une mère, le cœur sensible, le cœur féminin. Mm-hmm. Au moins, je voulais. L'amour d'une mère. L'amour d'une mère. Mm-hmm. Dis que non. Ma soeur ne peut pas aller à l'hôpital. Ma soeur ne peut pas souffrir. Elle a tout fait pour qu'elle sorte de l'hôpital. Maman, papa, voilà le général Vassero. Avec la clinique. Au nom de Maman, je vois pas. Qui envoie 500 euros. Près de 322 500 francs. C'est ça. Au nom de Maman, je vois pas. Le soi-disant marageur. Marageur de qui? De Nick Choué. Même je ne vois pas. Récupère l'argent. Détourne l'argent. L'argent. Nick Choué ne connaissait même pas qu'on a envoyé l'argent à travers son compte. Même je ne vois pas. Comme c'est le numéro du marageur qui est là, on a envoyé l'argent. C'est le numéro du marageur. Même je ne vois pas. C'est quand c'est arrivé sur Facebook que Nick Choué a vu et appelle son marageur. Son marageur commence à raconter des choses de dormir debout, de coucher assis. Même je ne vois pas. Jusqu'à les gens pouvaient se décrédibiliter de Nick Choué. Dieu merci. Que Valsero n'a pas sa langue dans le sac. Même je ne vois pas. Directement, Valsero réclamait jusqu'à dire que si ça ne va pas, d'abord convocation, il doit intervenir. Voilà. Hein? Mm-hmm. Quand c'est comme ça, le maradio dit que oh, même si on me porte plainte, mon avocat doit me défendre. Donc ton avocat t'envoie d'aller laver l'argent d'une femme qui souffre. L'aide. Ton avocat t'envoie d'aller bouffer l'argent de l'aide de quelqu'un. D'un demi. Toi-même, si tu as le cœur, maman, tu vois là où cette femme-là dort. Avec l'enfant, le nouveau-né. Ça fait mal. La femme, quand on avait opéré là. Hein? Voilà. Mmh. Ça fait mal. Encore avec l'opération. Avec l'opération. Au même jour. Même jour, pas. Cet argent pouvait l'offrir le lit avec le bon matériel. Cet argent pouvait lui donner beaucoup de choses. En tout cas, en passant. Et comme la toiture de cette dame-là coulait, cet argent pouvait défaire sa toile. Sa toiture. Même un côté. C'est la même chose que je lance l'œil à l'hôpital régional. Écoutez le nom. Hôpital régional de Bafoussam. Mm-hmm. Maman. Papa. Un
monsieur qui est confisqué à l'hôpital, il a subi l'opération intestinale. Il est confisqué à l'hôpital. Pourquoi? Pour les frais de l'hôpital. Et c'est un ancien Mobiga Jobro. Quoi? Quelqu'un qui chantait. Ah. Et je me pose la question de savoir où est passé des élites. Où sont passées les élites? Soutenez vos artistes quand ils sont vivants. N'attendez pas le jour de leur mort pour dire que hey, cet artiste me berçait quand j'étais encore enfant. Cet artiste me berçait quand j'étais ceci. Aidez-le quand il est encore vivant. Maman, tu sais, laisse-moi. Je peux avoir les ancêtres pour que les ancêtres touchent les cœurs des gens pour qu'on puisse les aider. Leave me, I go. Tu as commencé avec l'engrais, je termine avec l'engrais. Leave me, I go. Go now. Yes. Ouais. Seigneur Jésus. Va à ton niveau là-bas. Là-bas qu'on peut te recevoir. Chez les ancêtres. Pas au ministère.